Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes sur le PTR, sur une nouvelle map, vous pouvez voir qu'elle est écrite en anglais encore une fois, une map donc dans le côté attaque. Nous sommes sur une partie personnalisée en sur Oasis donc. Donc on a quelques minutes pour nous familiariser avec la map. Je pense qu'on va prendre un personnage qui a une petite mobilité quand même assez sympa. Je pense qu'on va partir pour Genji qui peut grimper un peu partout. D'ailleurs j'ai l'ancien skin Genji, j'ai encore mon compte niveau 95. Il n'y a pas eu de mise à jour sur mon PTR depuis moult ce truc. Donc bon voilà la map. Alors c'est la première fois que j'y viens aussi hein, donc je découvre avec vous chers amis. Des ascenseurs, ça s'ouvre pas. Ok, pourquoi pas. Des trucs stylisés. Est-ce qu'on peut par exemple avec un Genji? D'accord. On peut. Hop, étage 2. Rien de bien intéressant non plus. Étage 3, rien de bien intéressant non plus, j'ai l'impression. Étage 4, rien d'intéressant non plus. Excusez-moi si je suis un peu crispé sur mon Genji. Étage 5, rien non plus. Et donc on a accès ici à une deuxième... Oh putain, ça me fout les boules ce genre de distance de saut. Ok, donc on sort par une seule entrée apparemment. Ah non, il y a deux entrées sur les côtés, d'accord. Qui sont en fait ici, d'accord. Ok, bon. D'accord. Alors apparemment cette map a un trafic, ce qu'on appelle un trafic, hein, donc des bagnoles, interactif, ça m'étonne. Qui vous tue? Fallait voir. Cette kill map, cette kill cam, pardon. Non, je veux pas changer de héros, je veux bien par contre qu'il me fasse réapparaître, ok. Est-ce qu'il y a moyen de se poser sur les bagnoles ou pas? Non! Non, Marcus! Y a pas moyen. Ok! Enfin, je pense pas. De toute façon, pour réussir à la choper au vol, avec la bagnole, faut y aller. Hein. Ok! Bon. Donc, voici la première zone de combat. Avec ici un trou. Ça ressemble un peu à Bespin, hein, Bespin. Pour ceux qui connaissent l'univers de Star Wars, c'est rigolo. Doit y avoir moyen d'aller là-haut avec une diva. Peut-être même... Non, peut-être... Non, pas quand même de... Ok. C'est très 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 joli, hein, cela dit. Hein. Bon, on a des voitures sans permis un peu partout, mais sinon, à part ça, c'est très joli. Ils font de la pub pour les voitures sans permis, d'ailleurs. Ok. Donc, je pense qu'on a là, peut-être... Ah non, j'allais dire un premier checkpoint, mais non. Hop, on a des points de santé un peu partout. Par contre, regardez, il y en a un là, il y en a un là. Alors attendez, parce que j'arrive à me positionner comme je veux, voilà. Oh. D'accord, une interactivité avec la map, j'en réclamais. Donc, dans quelques-unes de mes vidéos précédentes, chers amis, des maps avec des choses interactives, j'ai obtenu les bagnoles et des jumps. Ce qu'on pourrait appeler des jump pads. Je pense. Vous voyez, en plus, il y a un symbole qui l'indique. D'accord. Alors, il y en a un qui s'est éteint. Vous avez remarqué, celui du milieu s'est éteint. Est-ce qu'il y a moyen de le faire qu'un certain nombre de fois? Non. Ok. Encore des voitures sans permis. Donc, c'est une map King of the Hill. Hein. J'ai oublié de le dire. Hein. Donc, roi de la colline. Donc vous voyez là on est sur le spawn ennemi avec ça son côté à lui si je puis dire, donc c'est assez mais attends, mais si toutes les voitures vont dans ce sens, ah oui d'accord, elles rejoignent tous le milieu. Ok, il y a moyen d'aller jusqu'où dans ce milieu? Aïe, pas très loin. Pas très loin, pas très loin. Est-ce qu'il y a un truc, il y a un truc dans le bâtiment là-bas? Bon, par contre, va falloir qu'ils mettent une killcam sur les bagnoles, hein, qu'on soit d'accord, hein, ça va être une nécessité, chers amis. Tiens, c'est marrant, ça.
C'est pas la map qu'on voit, c'est pas la carte qu'on voyait au niveau de d'Eichenwald sur la, vous savez, sur la carte. Il y a une espèce de map avec une tour de ce genre-là, mais je me trompe peut-être, hein. Ok. Et donc là, on est sûr. Donc je suis déjà allé trop loin. Hop, pardon. Donc faut qu'on récupère cette map-là, ce point-là, j'imagine. Et j'imagine que là, on est dedans pour le récupérer. C'est parce que j'imagine que c'est pas là-dedans quand même. On va aller voir. On va aller voir, chers amis. On va aller voir. Hop, quitter la partie. Oui. On va aller mettre une IA dans la partie. Crac. Histoire de faire une partie un peu plus intéressante. On va mettre une IA. Modifier. Non, c'est pas ça que je veux faire. Merci. Modifier. Alors, non, c'était ajouter des IA. Voilà, c'est là. Facile, on s'en fout, c'est juste pour voir le temps. Équipe 2. Ajouter. Paramètres. Partie rapide, oui. Aucun. Ah oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Je peux pas me balader dans le menu en étant sorti. Ok. Oasis, c'est bon, on y va. Un Lucio. Bon, bah écoutez, on va pas se plaindre. On va aller faire un tour dessus en KOTH. On va aller voir comment ça va se jouer, si je puis dire. Rapidement. Voir les limitations que l'on a. Voir peut-être aussi les capacités qu'on a. Je vais prendre une fatale pour avoir la capacité de déplacement nécessaire. Et puis pour. Pour Oasis Hotel. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément. Il y a plusieurs maps peut-être? Un petit peu comme pour Lijiang. Ça pourrait être intéressant, hein. S'il y a plusieurs maps, ça pourrait être encore mieux. Eh oui! À moins que ça, c'est l'autre côté. Oh, génial! Il y a donc plusieurs maps. Alors ça, c'est excellent. Oh, avec des... Les fameux navires qu'on avait au tout début de la vidéo, là, précédemment. Juste à côté. Oh. Kofi Aromo. Ah, bah, c'est le symbole. D'accord, ok. Ok. Ah bah, c'est sympa, tout ça. Donc, qu'est-ce que Lucio a appris, le personnage Lucio? Je ne sais pas. Donc je regarde un peu, je visite, hein. En tout cas, c'est sympa. Alors ce ne sont que des maps KOTH, du coup ici on doit être dans le point, je présume. Non, même pas. Oh, je suis mauvais. Oh, je suis mauvais. D'accord, le point est sur la... Ah, il est vraiment mauvais, hein. Il est plus mauvais que moi encore. Oh, je suis mauvais. En plus, je suis pas avec mes paramètres à moi, parce que du coup, le compte n'a pas été... Voilà. Bon, je suis clairement pas avec mon personnage de prédilection, hein. Alors, par là on a une autre entrée. Donc si je mets un truc là avec des chichas qui sont réutilisés. Bon, c'est pas grave, c'est des assets, c'est réutilisé, c'est normal, c'est fait pour. On a ici un point de snipe, un deuxième point de snipe détruite. Boum. Ah la vache. Oh! Boum, voilà. Alors je suis désolé, j'ai pas ma sensibilité habituelle en plus, du coup, donc ça m'aide pas. Fatal. Ah la vache, je suis à 10,50. Moi je suis à. Il me semble que je suis à 6,5. 6,5. Et ici, je suis à 20. Non, je suis pas à 20. Là c'est pas bon, là c'est plus du tout dynamique. Putain. La vache! Je suis pas bon! Je sais plus à combien je suis. Aïe! Voilà. Donc c'était pas ça. Peut-être qu'il faut que je laisse à 31, je sais plus. Je sais plus du tout.
Hop, donc voilà. Donc on a une map qui a l'air d'être assez sympa en KOTH, c'est cool. Je vais mettre à 33. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Suivez mon regard. Ça me rend pas meilleur pour autant. Oh! Hop, voilà. Bon, on a eu le premier point, ça c'est cool. Et elle se joue en 3 points? Oh! Donc ce sera des parties un peu plus longues. Ah, c'est intéressant. Ça par contre, c'est intéressant. J'avais pas percuté encore, mais donc du coup, elle se joue en 3 points. Ça c'est. C'est assez génial, on a des maps KOTH qui se jouent en 2 points gagnants. Hein. Et celle-ci c'est en 3 points gagnants. Vu que je gardais une certaine mobilité, j'aimerais prendre un personnage qui en a. Peut-être prendre une partir pour une diva. Hop. Oh là là, mais mes skins de diva. Ah, donc là on est à l'hôtel qu'on avait. Alors j'ai pas vu le nom de la map, je suis désolé. J'espère que vous l'aurez vu. Il est pas affiché. Et verdict, non, je ne peux pas y grimper, par ici en tout cas. Et donc là, c'était bel et bien dans le centre normal. Du coup, on va revoir un Lucio. Hop, voilà. Donc là par contre on voit qu'on n'a pas beaucoup de positionnement pour des snipes, hein. On a cet endroit là et cet endroit là, mais ils sont tous très ouverts, très visibles. Sauf peut-être si tu viens de par là. Non là je suis pas... Ah merde, je l'ai pas capturé. Je prends le point. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Il est débile. Je sais bien que j'étais en facile mais quand même. Ça je le stream dès ce soir. Hop, on va l'attendre au spawn. On peut voir que c'est quand même assez ouvert, hein. Ils peuvent nous... On peut pas venir véritablement au spawn parce que de toute façon ils peuvent nous... Ils peuvent nous rect des 3 points en fait. Tout en étant à l'intérieur. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile pour eux, les pauvres. Diva, mon ulti est en train de se charger. Non mais c'est une map sympa. Alors je sais pas trop ce que ça va donner en, à plusieurs forcément, hein, parce que là on n'a pas encore joué. Et bon... Soyons honnêtes, c'est pas en ce moment avec les... Hop. C'est pas en ce moment avec les... Comment les... Les parties sur le PTR qu'on va avoir plus d'informations. Hop, voilà, je m'amuse un petit peu, hein. En vrai, ça ne passe pas, ce genre de choses, hein. Sauf si les voitures explosent, ce qui serait stylé. Pour des voitures sans permis, ça rendrait, ça leur ferait gagner quelques points, mais apparemment non. Ah, il est de retour. Monsieur Jet Set Radio est de retour. Ah la vache. On sait qu'il essayait de m'envoyer dans le... Hop, dans les bagnoles, mais non. Oui, tu pètes le feu, ma grande, c'est bien. On va bientôt avoir le point, ce qui va nous faire qu'on va avoir eu... Je croyais l'avoir entendu. Et voilà, je l'ai poussé dans le trou. On a la classe ou on l'a pas, hein. Alors par contre du coup comme mon setup a changé, ma position de jeu a changé, je sens que ça va changer beaucoup de choses. Comme j'ai plus le volant, vous savez moi habituellement je m'appuyais sur le volant pour trouver une position qui soit fixe. Mais là j'en ai plus, du coup il va falloir que je fixe mon dos. Donc il va falloir que je le visse sur la chaise directement. Ou que je me mette un truc dans la colonne vertébrale, vous savez, enfin dans la nuque comme Neo. Alors du coup j'ai pas revu le nom de cette... Ouh. On est chez Lumerico, c'est pas possible.
Mais non, c'est étrange. C'est très étrange. Ah, du coup, j'ai pas vu le nom de la commande de la map, encore une fois, chers amis, je suis désolé. C'est joli, cela dit. C'est très 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 joli, cela dit. Oula, sur plusieurs niveaux? Ouh! Intéressant! Là, les flanqueurs vont s'en donner à cœur joie, chers amis. Je pense principalement à... Pharah. Alors, question, une fois que je l'aurai tué. Est-ce que... Non, le point commence pas là-haut. Au moins, qu'on commence que là-haut, pardon. Il n'y a pas plus haut, on est d'accord, oui. Bon. Non, c'est intéressant. Puis vous voyez, c'est hyper méga ouvert. Il y a des passages de partout. Il y a une salle de diffusion. Il va sûrement y avoir des annotations données ici. Sur le futur du jeu, pardon. Il essaye de me pousser, hein. Alors, ici nous avons encore un moyen de passer par en dessous, donc pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple Macri qui veut venir, bah, il viendrait de par là, d'accord. Est-ce qu'au-dessus c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Et on a de la santé, avec un escalier et surtout un moyen de tomber, j'ai l'impression. Mais aussi un moyen de contourner. Ok. On serait bien chez Lumerico ou un truc dans le genre, là, je pense, hein. Ah, c'est dommage qu'il ne soit pas plus actif que ça. Vis-à-vis du... Du comment de, des assets autour. Mais bon, c'est un choix, hein. C'est pas parce que moi j'aimerais bien avoir plus d'interactivité avec la map qu'il y en aura forcément, comme on dit. Alors cependant, je dois reconnaître qu'ils ont fait un jump pad quelque part. J'en ai pas vu d'autres. Donc ça m'inquiète un petit peu. Puis ça m'embête un petit peu parce que c'est une nouveauté qui était plus qu'agréable. Et vu qu'on est encore dans la map, ça aurait été génial de la garder jusqu'au bout, si je puis dire. Par exemple, on va mettre une ici, et puis à refaire. Pouf! Par contre, cette map-là sera complètement une tueuse pour l'ulti de Diva. Sauf si t'arrives à le caler juste ici, et encore. Ça va être ric-rac, hein. Vous voyez, faudra réussir à mon avis à le caler en hauteur pour qu'il vienne tomber pile dans le trou. C'est possible, à mon avis, c'est possible. Mais ça va être vraiment difficile. Ouah, excusez-moi, je m'étire un gros coup, chers amis, parce que là, c'était assez, assez simple, finalement. Du coup, je me suis à moitié physiquement endormi. Il n'y avait pas de tension. Hop, là, dans le trou. J'avais oublié que j'étais venu voir. Enfin, bon. Rester en équipe, non, quitter la partie, voilà. Donc voilà à quoi ressemble cette map, ok. Bah c'est pas mal, ouais, donc peut-être un petit peu de contrariété vis-à-vis du fait qu'on n'ait pas plus de jump pad, plus d'interactivité. Sinon on a une map très ouverte, une map un peu plus refermée, mais avec un point, disons, un peu plus, on va pas dire corps à corps, mais vous voyez ce que je veux dire, close combat. Et on a une troisième map qui, elle, mélange un peu tout avec une grosse potentialité de flank. Mais vraiment très très grosse. Que ce soit avec Pharah ou même avec, même à mon avis, avec comment, avec Sombra qui pourra passer à mon avis n'importe où avec son téléporteur. Ça va être assez, assez chiant, je pense. On verra bien. Je pense aussi, principalement sur la dernière map, à Faucheur qu'on voit juste devant nous. Qui aura sans doute un grand, une grande facilité, puisqu'il tombera en fait de la zone, vous avez vu, de la zone supérieure, là au-dessus des, comment, des espèces d'ascenseurs, là, des deux couloirs. Et il tombera avec son ulti et blam, un vieux gros coup d'ulti. Ou il se planquera, imaginons, dans la première map qu'on a pu voir, donc la deuxième qu'on a pu voir sur cette partie, à l'intérieur du petit cercle, il sortira et bam. Voilà, ça va être très très simple. Ou alors l'ulti de Diva qui passera en fait dans le petit cercle
pour arriver de l'autre côté, ce qui va être complètement pute, je pense. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Vu que de toute façon, ils peuvent pas, on peut pas faire tomber l'ulti de Diva et le faire glisser, puisqu'il s'arrête sur le rebord de la coupole. Donc bon. Mais à mon avis, il y aura plein de petites choses avec cette map. C'est dommage qu'ils mettent autant de temps sur des maps, honnêtement. Des maps et des héros, hein. C'est un peu dommage. Clairement, ça renouvellerait le jeu. Même moi, là, à l'heure actuelle, bon, c'est très très bien. Les 3 coffres par semaine, c'est très très bien. Mais vous voyez, j'ai plus trop envie d'y jouer en dehors. Une fois que j'ai mes 3 coffres dans le mode arcade, j'ai un petit peu ce que j'ai obtenu. Donc bon, on verra si Blizzard compte améliorer tout ça. En tout cas, les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre autre aventure. Je suis désolé, j'ai ma voix qui est partie en vrille. Et j'espère que cette vidéo qui sortira donc aujourd'hui, hein, on est le 30, hein, c'est ça? Oui, on est le 30. Cette vidéo sort aujourd'hui même. J'espère en tout cas que la nouvelle intro vous plaît. J'ai passé un petit peu de temps à la faire. Si elle vous plaît pas, je remettrai l'ancienne. À vous de me dire. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!